Morocco Obstacle Race, elle est là pour apporter quatre choses. Il y a quatre axes. Le premier, c'est le volet sportif. On veut faire une course inédite ici au Maroc. Et donc, la course d'obstacles se prête bien pour cela. On veut vraiment faire les choses professionnellement. Donc, de la main de YouFirst Sport, qui est une multinationale espagnole. Et donc, mon expertise, nous allons monter cet événement. Il y a aussi l'axe de la promotion de la ville de Ouarzazate. On souhaite vraiment mettre cette ville dans le centre, on va dire, du map. Pas mal de choses. Ils viendront à la course, mais ils verront aussi les studios de cinéma. Ils iront à la Casbah de l'Aït Ben Haddo, de l'Taourit. Il y a tellement de choses à faire, l'Oasis de Fint. Et on veut vraiment mettre ça en valeur. Le troisième volet, c'est le culturel. En plus de la course, il y aura aussi les animations donc, dans le village animation, c'est-à-dire les ateliers poterie, les ateliers céramique, les ateliers de musique, les ateliers peinture pour les enfants, les gonflables pour enfants. Mais il y aura surtout des concerts de Farid Rennem qui viendra chanter le dimanche, Inch'Allah, le dimanche 7 octobre, ainsi que les concerts des jeunes artistes locaux de Ouarzazate. Et pour finir, nous avons l'événement avec les collégiens le samedi 6 octobre où on a choisi déjà 60 collégiens qui ont fait des travaux sur les énergies renouvelables. Et donc on va les emmener visiter la centrale solaire Nord, donc de la main donc, de Mazen, de l'agence marocaine donc, pour les énergies durables. YouFirst Sports est une agence internationale présente dans 15 pays. Nous faisons deux activités principales, c'est la représentation d'athlètes de basket et de football, et puis du marketing sportif. Alors, c'est notre premier événement ici au Maroc. Parce qu'on veut ouvrir notre bureau au Maroc l'année prochaine, en 2019. Alors on veut déplacer notre expérience dans le marketing sportif ici au Maroc et présenter notre expérience aux entreprises marocaines et supporter le sport marocain. Alors pour cette première édition, on va aller doucement, Inch'Allah. On estime entre 250 et 300 participants pour cette première édition. Donc nous avons la France, l'Espagne et le Maroc pour l'instant. Et puis nous avons quand même des athlètes de renom, dont Mercedes San Juan, dont Ruben Garcia. Et nous avons aussi donc, pas mal de Marocains qui vont participer, qui sont assez connus. Donc je leur donne la bienvenue, je leur dis la bienvenue à Ouarzazate et Marhaba Behom.